à tous. Après une saison de rêve, notre mini web-série en 3 épisodes de la saison dernière, nous avons eu l'envie de poursuivre l'expérience pour que la proposition artistique des jeunesses musicales de France soit au plus proche de chacun de vous. Et nous voilà, de nouveau, pour vous présenter une partie des artistes de la saison 2022-2023 dans ce bel écrin qu'est la ferme du Buisson, scène nationale à Noisiel. Et on commence tout de suite avec Dans la jungle du sensationnel Major Hutt et Benjamin Bachelier. Vous venez de découvrir Dans la jungle en trio, mais je précise qu'ils seront bien 4 sur scène. Un des musiciens n'était pas disponible. Nous poursuivons avec un extrait du conte musical illustré L'ours et la louve. Autour d'une table sonorisée, Fabienne Muet et Christophe Seval chantent et bruitent les histoires d'un petit être pas comme les autres, Djouko, né d'un ours et d'une louve. Un spectacle qui aborde avec subtilité le thème de la différence et de la quête d'identité.
Leur errance était triste dans le froid et la neige. Pendant des semaines, chacun dut porter dans son cœur la lourde pierre de la solitude. La louve, épuisée par une longue marche nocturne, s'est étendue sur un rocher. Affamée, elle n'avait plus la force d'avancer. L'ours, blessé à la patte d'avoir trop marché, frissonnait et n'arrivait plus à se réchauffer. C'est alors qu'aux abords de la rivière, dans la lueur rosée de l'aube, leurs destins se sont liés. Leurs regards se sont croisés et dans la forêt, tout s'est tu. L'hermine dans la neige a arrêté ses pas. La corneille a suspendu un instant son vol. Et la chouette qui sait tout a retardé son sommeil pour profiter du spectacle. Car là où la peur et la méfiance auraient pu vaincre, l'amour a gagné. L'ours a posé sa tête au pied de la louve et la louve s'est levée contre l'ours pour le réchauffer. Alors, la nature jubila. L'hermine, la corneille et même les saumons étaient ivres de bonheur. Tout chantait. Pelage gris, pelage brun, si vous n'êtes pas de même couleur, ce que vous avez en commun, c'est bien une égale douceur. Ce que vous avez en commun, c'est bien une égale douceur. Ce jour-là, la chouette qui sait tout dort le cœur léger. Ce sont maintenant deux spectacles que vous allez pouvoir découvrir à la suite. Le Berger des Sons avec Alain Larribé, puis le trio Meyranet avec La Silencieuse en voyage. Leur point commun, l'amour de la nature. Un amour qu'ils chantent et jouent avec les instruments du monde. Dépaysement assuré puisqu'il nous propose un retour aux sources de l'Arménie au Maroc d'abord, puis direction la Mongolie à la rencontre de 60 chevaux blancs et d'oiseaux merveilleux. Thank you.
Chase a mai ma cannolina, chase a mai ma cannolina.
sen yatarın. Oh, numen numen. Ah, mezaran zaran 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 zaran. L'amour, encore et toujours. Mais cette fois-ci, entre un Bernard l'ermite et une huître. C'est intriguant, n'est-ce pas? Ce sont les amours sous-marines. Luigi Rignanese a écrit cette fable subaquatique et Julien Baudry en a composé les musiques. On plonge avec Moore dans des fonds marins pas communs où voguent vagues à l'âme, tempête du cœur et métamorphose de l'amour. Une Posidonie. Où un hippocampe ventru détache sa queue de l'algue qui lui a sauvé la vie. Des bandes sardines, des mérous, et là, un petit Bernard l'ermite qui sort la tête de sa coquille blanche. C'est notre héros. Bernard est un quêteur. Il cherche à atteindre l'illumination. Et pour ça, il suit les conseils de son maître, l'hippocampe, maître hippo. Et tous les jours, il va méditer dans sa grande solitude de sable en se rappelant les conseils de son maître. Pour l'illumination. Facile. Pour l'illumination. Rester zen dans sa coquille. Facile. Tranquille. Zen. Et gonflé de méditation. Facile. Zen. S'envoler tel le clown facile. Zen. Par-dessus bord toutes les peurs, des plages de confiance. Par-dessus bord toutes les colères, des océans de gentillesse. Pour l'illumination. Et dans son ascension vers la si haute surface. Facile. Espérer un jour la traverser, pour comprendre enfin le grand mystère. Pourquoi il y a de la lumière qui tombe de tout là-haut. Et tous les jours, Bernard va méditer. Mais ce jour-là, quand il arrive au milieu de sa grande solitude de sable, en plein milieu, il voit une huître moche. Toc et toc et toc. Bonjour, mademoiselle l'huître. Je m'appelle Bernardo l'ermite. Ton nom est prédestiné pour l'illumination. Et tous les jours, je viens méditer là, dans ma solitude, ma solitude avec une huître. C'est plus une solitude. Alors, je vous en prie, dégagez. Aïe! Mais ça va pas me taper comme ça. Vous m'avez fait mal, c'est pas gentil. Ah, pardon, la gentillesse est la règle numéro un pour l'illumination. Alors, je vais demander conseil à maître Hippo et je reviens. Mais à votre âge, vous savez pas décider tout seul, sans les conseils d'un maître? Ma, elle commence à m'énerver, elle. Et Bernard est parti en se demandant... Mais comment faire? Comment faire? 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 Pour se débarrasser de l'huître moche. Il pourrait de sa grosse pince éclater sa coquille, la réduire en poussière de calcaire, puis déchiqueter ses chairs aux quatre courants. Il serait débarrassé, super. Mais est-ce que c'est gentil, ça? Non? Qu'il trouve autre chose. Mais comment faire? Comment faire? Mais comment faire? Comment faire? Mais comment faire?
comment faire? Mais comment faire? Comment faire pour se débarrasser de l'huître moche? Et si on transformait cette scène tout de suite en cours de récré, ça vous dit? Karine Zarka, Alix Arbet et Hélène Manteau vont nous jouer deux chansons de leur spectacle « À quoi tu joues ?»« Qui suis-je ?» puis « Moi, je m'en fous ». Vous voyez le cheminement un petit peu entre les deux? Voilà, je vous laisse avec cette réflexion. « À quoi tu joues ?» un spectacle pour s'affirmer, s'affranchir du regard des autres et puis surtout une ode pour vivre sa vie comme on l'entend. Quand j'ai mal au cœur et au corps, on me dit faut que tu sois fort. Pourquoi je peux pas sangloter, ça me rend plus léger. J'ai pas honte de pleurer, même si j'épluche pas d'oignons. J'ai pas honte de chialer, même si on colle des marrons. Quand on marque des buts sur le terrain, on se fait des tas de câlins. Pourquoi une fois sorti du stade, on se fait plus d'accolade? J'ai pas honte d'embrasser, même si on se moque de moi. J'ai pas honte d'enlacer, même si paraît que ça se fait pas. Quand je me déshabille dans le vestiaire, j'entends des langues de vipères. Pourquoi faudrait être un gros dur pour avoir de l'allure? J'ai pas honte de montrer mes petits mollets de coq. J'ai pas honte d'afficher que je suis pas vraiment mastoc. Moi je m'en fous, venez pas me faire la leçon sur ce que c'est que d'être un garçon. J'ai pas honte de rougir quand je suis tout près de toi. J'ai pas honte d'avoir honte de mes erreurs, mes faux pas. Moi je m'en fous, venez pas me faire la leçon sur ce que c'est que d'être un garçon. Moi je m'en fous, venez pas me faire la leçon sur ce que c'est que d'être un garçon. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le dilemme du hérisson, c'est une vraie réflexion menée à partir de l'observation du monde animal et dont l'étude a été reprise par Schopenhauer et Freud. Ça donne envie, hein? Bon, en gros, si je résume la parabole philosophique, les hérissons se serrent les uns les autres dans la forêt quand il fait froid, mais vite gênés par leur piquant, ils ne tardent pas à s'écarter. Il faut donc trouver la bonne distance. C'est ce que Rémi Leclerc et Kellen Lamouroux ont expérimenté dans leur duo Le dilemme du hérisson. Ouh. Ouh. Ouh.
Nous plongeons maintenant dans un récit initiatique avec l'histoire de Lalilo. Jeune garçon en proie à des questionnements existentiels, il part à la quête de lui-même pour s'ouvrir aux autres. Sur scène, Martin Lanzoni incarne Lalilo, Christopher Lacassagne est au piano et Camille Guérard est au violoncelle. Ensemble, ils peignent un univers imaginaire poétique. Thank you.
dans cet amas de fleurs bleues, j'en aperçois une autre, encore en bourgeon. Elle est d'un jaune éclatant. On dirait qu'elle est recluse là parmi les autres, d'une autre couleur, d'une autre forme, d'une autre odeur peut-être. Un parasite? Non, elle est différente, mais je crois qu'elle est à sa place. Cette différence, n'enrayez pas les vertus, cultivez-la, faites-la éclore, et n'ayez jamais peur de ce que le vent peut détacher de vous. Et si sur cette estrade j'étais une mouette? Il suffit juste d'y croire. Et si j'étais poète? Je le sens, je le suis, le devient, c'est certain. Je dérobe vos regards qui finiront en grains. Que mes doigts y pénètrent comme dans un sac de blé et que tourne la roue du moulin de vos souhaits. D'un vert tendre au vert pomme, je me métamorphose. En nuage ou en homme, en un bleu ou en rose. Funambule à l'émoi, dansant et volubile, c'est là que tout commence, sur cette scène, sur ce fil. Début. Ukulélé, la contrebasse est égal gigambitus. Alors en musique, l'ambitus, en fait, c'est l'écart entre la note la plus grave et la plus aiguë pour une voix, un instrument. Et c'est justement ce qui a intéressé Mathias Chanon-Varro et Julien Monneret dans la formation de ce duo vraiment hors norme. Un spectacle drôle, sans frontières. On passe de la musique classique au jazz manouche avec une grande fluidité pour notre plus grand plaisir. C'est pas très compliqué, on est bien sur les temps, voilà, on prend pas trop de risques. Mais regardez ce qu'on peut faire avec un ukulélé là-dessus. Merci pour votre attention.
on continue maintenant avec l'histoire de Petit Bonhomme et de sa maman Coquelicot qui ont choisi d'emprunter la route incertaine mais courageuse de l'exil. Un sujet brûlant mais important de notre société, c'est un autre pays, notre N-O-T-R-E. Un spectacle doux et percutant de ce pays que l'on chérit, mais aussi de cet ailleurs qui nous aide à garder l'espoir en un avenir meilleur. On retrouve tout de suite Cara Malzouir, Marie Atterman et Clément Adolphe. J'ai appris hier que c'était la guerre. Que c'était la guerre chez les grands. La guerre, elle a 18 ans. Du coup, elle peut faire ce qu'elle veut. Bah ouais, parce que elle est adulte maintenant. Puis que, quand même, c'est la guerre, quoi. Je me demande du coup si je vais la rencontrer, moi, la guerre. J'aurais des questions à lui poser. Maman, elle m'a dit comme ça, elle m'a dit « Hé, petit bonhomme, c'est la guerre chez les grands. » Elle avait les yeux tout rouges. Elle ressemblait à un coquelicot tellement elle avait pleuré. La guerre, en fait, c'est quand ta maman pleure rien qu'en te regardant et qu'il n'y a plus que des mamans coquelicots partout, partout, partout. Et maman, elle m'a dit comme ça aussi. Allez, petit bonhomme, on doit partir. Il va falloir courir très, très, très vite. Et puis, il faudra pas pleurer. Est-ce qu'il fera froid? Quand est-ce qu'on mangera? Et mes copains, je peux les emmener avec moi? Et le chien? Est-ce que mon pays restera là à m'attendre? La route sera longue. Mais ça y est, c'est le moment. On y va. Vers le pays d'ailleurs. Thank you.
poétigne. Eh bien, c'est le petit poète préféré des Brésiliens Vinicius de Moraes. Odile Bertotto et Benoît Hérault redonnent vie à toute une galerie de personnages grâce à leur voix, leurs instruments et des marionnettes. Une fantaisie pour les tout-petits à partir de 3 ans jusqu'au CP pour découvrir les poèmes-chansons du Poetinha en français et en brésilien. Petite poule, pauvre poule d'Angola, elle ne va pas très bien, ces temps-ci ni de ces temps-là. Qui a jeté un sort à la poule d'Angola? Elle avale un peu tout et dit n'importe quoi. Elle adore les cocons et les salades. Oh oui, j'adore! Elle se gave jusqu'à se rendre malade. Oh, je suis malade! Elle a mangé son caca pour son coco. Et depuis, ne cesse de dire, ça va pas. Ça va pas, ça va, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Non, 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 ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je suis malade, je suis malade. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Coitada, coitadinha da galinha d'Angola, no ando ultimamente. Regulando da bola, coitada, coitadinha da galinha d'Angola. No ando ultimamente, regulando da bola. Oh, como tanto, até ter dor de barriga. Eu sou uma bagunceira de uma figa. Quando choco, cocoroco, como milho, como caca. E vivo reclamando que estou fraca. Só vai passar, vai. Ça va pas, ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ça va pas, 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 non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ça va, mais ça va, ça va, ça va pas du tout ces temps-là. Ça va pas, ça va pas, ça va pas du tout ces temps-là. Ça va pas, ça. Ça va pas, mais ça. Obrigada. Place maintenant à notre diva syndiquée Noémie Lamour. Petite précision, nous la retrouvons seule aujourd'hui, mais elle sera bien accompagnée sur scène par Jean-Cyan Pierre et Tommy Jaunier. Dans ce nouveau spectacle, elle raconte à sa manière, c'est-à-dire avec beaucoup d'autodérision, mais tout en virtuosité, 10 siècles de musique au féminin, rien que ça. Comme c'est un vaste programme, on commence tout de suite avec une reprise de Clara Luciani, Ma sœur. Qu'est-ce qu'on veut faire, nous, au Diva Syndicat? On veut tout simplement jouer, montrer, faire entendre de la musique écrite, composée, jouée par des femmes, et puis voir qu'est-ce que ça change dans le monde. Qu'est-ce que ça change dans le monde d'écouter des œuvres produites par des femmes? C'est pas grand-chose, les femmes, en plus, hein? Non. Seulement la moitié de l'humanité, hein? Excellent, merci Axel. Vous pouvez l'applaudir. Hein. En plus, ils l'ont accordé, ils sont super ici. Bon, je vais vous jouer notre hymne. L'hymne du Diva Syndicat. Je le joue pour vous. Et je le joue un peu aussi pour Jean-Cyan. Ma sœur, nous avons des cœurs siamois,
Chaque coup que tu reçois ricoche et me frappe de fois. Je tiens dans ma main ton poing serré et rien ne peut nous résister puisque nous l'avons décidé. Personne n'a jamais dit que ce serait facile, mais je serai là. Personne ne croit en toi comme j'y crois. Personne, personne, je serai là même s'il ne te fait rester. Personne, personne, personne ne croit en toi comme j'y crois. Personne, personne, je serai là même s'il ne te fait rester. Personne, personne. C'est comme si une flèche avait relié invisiblement nos poignets le jour où nous sommes nés. Alors si tu coules, je coule aussi, mais je tiens bien trop à la vie pour que ce puisse être permis. Personne n'a jamais dit que ce serait facile, mais je serai là. Personne ne croit en toi comme j'y crois. Personne, personne, je serai là même s'il ne te fait rester. Personne, personne, personne ne croit en toi comme j'y crois. Personne, personne, je serai là même s'il ne te fait rester. Personne, tu n'es pas seul, qu'est-ce que tu crois? Tu peux te reposer sur moi. Tu n'es pas seul, écoute-moi. Tu peux te reposer sur moi, ça ira. Tu n'es pas seul, écoute-moi. Tu peux te reposer sur moi. Tu n'es pas seul, écoute-moi. J'y crois, personne, personne, je serai là même s'il ne te fait rester. Personne, personne, personne ne croit en toi comme j'y crois. Personne, personne, je serai là même s'il ne te fait rester. Personne. Après Les enfants s'ennuient le dimanche, Manu Gallu revient avec un nouveau spectacle jeune public, J'ai dormi près d'un arbre. Après un tour de France à pied et en chanson, il garde de ce parcours itinérant l'envie de colporter ses chansons partout où on l'appelle. C'est pourquoi le spectacle est totalement autonome. Les deux pianos et le décor tiennent dans un 13 mètres cubes. Pas mal, non? Merci. Veux pas que je mâchouille les enjoliveurs de la voiture à papa. Maman veut pas que j'écrabouille tous les gens, alors on ne sort pas. Le voisin l'aime pas quand je m'assois sur sa maison. Il dit qu'elle est trop fragile. D'ailleurs je crois que les voisins ne m'aiment pas. Oh, peut-être depuis que j'ai mangé leur dog allemand. Et quand je suis pas sage, maman fait bouillir de l'eau. Et quand je suis pas sage, maman, oh, fait bouillir de l'eau et trempe mes pieds dedans. Ah, oh, ah, ah.
J'aime regarder les fleurs. J'aime les cueillir, mais à chaque fois elles meurent. J'aime regarder les filles. Oh, j'aime leur courir après, mais chaque fois elles pleurent. Quand je fais des bêtises, papa prend son marteau piqueur. Et quand je fais des bêtises, papa prend son marteau piqueur et crabouille mes doigts. Ah, ah, ouh, tu sauvas, oh oui. Sur la meçon de ma canne à pêche, j'accroche doucement de tout petits oiseaux. Sur la meçon de ma canne à pêche, j'accroche doucement de tout petits oiseaux pour attraper des oiseaux plus gros, pour attraper des autruches et des avions. Pour attraper des oiseaux plus gros, oh, pour attraper des autruches et des avions. Et quand je pleure une rivière, on me laisse tout seul. Et quand je pleure toute la mer, on me laisse tout seul avec mon grand frère. Ah! Et on continue avec cette présentation de saison 2022-2023 des Jeunesses Musicales de France. On retrouve de nouveaux artistes, encore sur des esthétiques bien différentes, mais ils gardent un point commun, l'excellence musicale. Les musiques traditionnelles des Balkans sont très évocatrices, sûrement parce qu'elles recèlent toutes les passions humaines. L'amour, la douleur, le recueillement, mais aussi la fête. Chacun peut s'y retrouver à sa manière. Charlène Ploner et Nicolas Arnoux aiment jouer et partager cette musique qu'ils enrichissent de leur influence pour nous toucher en plein cœur. Thank you.
Poursuivons tout de suite avec Reder Nouage, Frédéric Joinet, Reder Nouage.
Bon, on n'est pas tout à fait sur un anagramme, mais presque. Ce qui est sûr, c'est que Frédéric Joinet est un homme de plusieurs folklores et il va déployer un univers dans Reder Nouache qui est absolument hypnotisant. Seul en scène, ultra créatif, c'est un véritable one violin band que vous allez maintenant découvrir. Vous allez pouvoir découvrir deux spectacles à la suite. Il s'agit de Potiqué et Jelly Jazz. On a du beatbox, des claviers, de la musique électronique d'un côté. C'est Potiqué, titre énigmatique, mais je laisse Mas et Orphée lever le voile sur ce mystère. Et on a de l'autre côté du jazz New Orleans, de la guitare, de la trompette et les voix des frères Léon et Joseph Lenaire. Leur point commun, ce sont de jeunes artistes dont nous accompagnons la toute première création. Mmh.
potatoes grow. There's where the birds warble sweet in the springtime. There's where the old darkies heart I'm long to go. There's where I labor so hard for old Mesa, day after day in the fields of yellow corn. No place on earth do I love more sincerely than no Virginia, the state where I was born. Je m'appelle Soléa est une ode à la fête flamenca, où l'on danse, où l'on joue de la guitare, où l'on chante bien sûr ses tristesses et ses joies. Le flamenco, c'est aussi et surtout le plaisir d'être ensemble. N'hésitez pas à rejoindre la fête en compagnie d'Aurélia Vidal, Cécile Evrault et Manuel Delgado. Olé ! Yeah.
cocaïne, allez. Quand est-ce qu'on danse? C'est une question que l'on s'est tous beaucoup posée, je pense, ces derniers temps. Et nos amis du duo Berimba aussi. C'est Béatrice Morisco et Stéphane Grosjean. Et dans ce spectacle, Quand est-ce qu'on danse? Eh ben, ça traduit l'impatience de faire la fête, de danser, de laisser libre cours à nos corps, à nos émotions. Bref, c'est l'envie de se retrouver et de rêver à nouveau tous ensemble. Merci à vous. Leur instrument phare, c'est la balalaïka. Le mot balalaïka vient du russe balakat, qui veut dire taquiner, plaisanter, bavarder. C'est plutôt poétique pour un instrument. Eh bien, on retrouve tout de suite Tatiana, Nastassia, Yura et Étienne dans le spectacle Zima, la roulotte et Lisba. Voyons qui
cantatrice va. J'irais bien chanter avec lui. Mama, j'aime un voyou. Oui, mama. Y'a le joli caillou bleu. Блатные, там я, все блатные, боль моя, ой, мама, я жулика люблю. Опа, штыч, 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 жулик будет барабайс, а я буду продавать, ой, мама, я жулика люблю. Опа, жулик будет барабайс, а я буду продавать, ой, мама, я жулика люблю. Давай, мой Юра. Фраер спит, я утомлюсь, разбудить чего боюсь, мама, я жулик. Nous sommes à la fin de notre film. J'espère que vous avez passé un bon moment musical en compagnie d'une partie des artistes de la saison 2022-2023 des Jeunesses Musicales de France. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet pour retrouver l'intégralité de nos programmes en tournée. Merci à toute l'équipe de la Ferme du Buisson, merci à Prod et compagnie, merci à vous de l'autre côté de l'écran et un grand merci à tous les talentueux musiciens qui ne manqueront pas de faire grandir en musique tous les enfants qu'ils rencontreront grâce à vous dans leur prochaine tournée.